Ouais, salut. Non, non, là je peux pas, hein, j'en ai pour la journée. Ouais, bah je rentrerai demain. Non, 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 je rentrerai. Ouais, tu m'emmerdes. Ouais, tu m'emmerdes, j'ai dit que je l'interviewerais, je l'interview. Ouais, bah moi il m'intéresse ce gars-là, je trouve qu'il a du fond. Y a quelque chose à creuser dans son écriture. Ouais, bah écoute, tu fais tes trucs, je fais mes trucs. Toi, tu fais bien des trucs sur un écrivaillon pourri, là, tu lui donnes 2 pages. Moi, j'ai envie d'interviewer. Tiens, au sujet, je suis passé devant ta ville. Ouais, tu devines pas? La ville des connes. Cosne-sur-Loire, tu vois, comme toi, inondable. Allez, ciao, à demain. Monsieur Dardronville! Bonjour! Alors, prenez la première à gauche, c'est la porte verte, juste là. Ok, très bien. Entrez, entrez, je vous en prie. Désolé pour le retard. Hein. La voiture du journal est tombée en panne. Alors le garagiste a eu l'immense mansuétude de m'en prêter une. Alors je sais pas si elle était électrique ou, vous savez, ces nouveaux biocarburants à base de tofu. Enfin bref, j'ai mis des heures. Voilà, j'ai apporté votre livre, comme prévu. J'ai lu quelques-uns de vos papiers. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ai envoyé mon ouvrage. Comment voulez-vous qu'on procède? Alors j'imagine qu'on ne fait pas de portrait chinois, pas de questionnaire à la Proust. Non, non. Bon, ça serait vraiment pas très supportable. Alors moi, ce que je vous propose, monsieur Dardronville, c'est qu'on prenne des notes de notre discussion. Et bien entendu. Entendu. J'espère qu'elle sera fructueuse. Pouvez-vous me décrire votre mise en scène quotidienne? Celle qui vous entraîne vers la zone poétique. Bien entendu. Je m'éveille dans l'aube et aussitôt je me précipite sur la feuille. J'écris pendant 1 heure d'une manière la plus spontanée possible, la plus libre possible. J'essaie précisément de me libérer de toute culture, de toute identité. J'essaie de cheminer dans des zones inaccoutumé. Je lance mon esprit, je le jette en plein monde, et après 1 heure de production littéraire un petit peu étrange, je relis tout ce que j'ai produit, environ 10 de feuillets, et je cherche alors à en faire une espèce d'extrait. J'extrais les zones les plus heureuses, les idées qui ont par endroits jailli, je les retravaille. Alors là, d'une manière beaucoup plus sérieuse, dirais-je. Enfin, sérieuse en tout cas, rationnelle. Et c'est ainsi que de temps en temps, je parviens à trouver une idée que je retravaille, que je malaxe, que je triture, que je rumine, parfois pendant des semaines. J'essaie de me détacher de la culture pour retrouver un jaillissement un peu archaïque qui me donne beaucoup de force. Et c'est ainsi que j'arrive de temps en temps à capter une zone nouvelle. Mais dans tout ce travail, c'est pas très mondain, vous savez, je suis pas très beau à voir. Je me mets dans un état physique particulier, mais assez peu définissable. Je chante, je m'allonge au sol, j'attends de capter les énergies profondes offertes par les états de mon cerveau.
Et puis je reviens à la table. J'attends vraiment le bon moment, l'état vibratoire pour écrire. Il y a un grand besoin d'ouvrir, de quitter la prison sociale. Il faut procéder à une espèce d'acceptation physique des zones vives. Et j'essaie de m'étirer le cerveau. J'essaie de faire de ma tête un laboratoire. Et ce matin, bon, ça n'a pas donné grand-chose. Mais enfin, tous les jours ne sont pas glorieux. Et je me suis dit simplement que Rostand n'aurait pas écrit son Cyrano aujourd'hui. Vous croyez vraiment que Rostand n'aurait pas écrit la même œuvre ? Je le crois. Vraiment ? Oui, je crois que dans notre époque, la difformité physique, du simple fait que la chirurgie esthétique est à même de la nuancer, de la moindrir, je crois que cette idée-là n'aurait pas germé dans son cerveau. Une autre, sans doute. Oui. Vous avez parlé de la prison stérile que serait la société. Oui, comme les animaux, je pense que les poètes... L'inspiration poétique ne peut éclore dans la captivité sociale. Comme les animaux qui se reproduisent mal, vous savez, en captivité. Je pense qu'il y a, un effort nécessaire à la poésie de s'exclure du carcan social. Vous savez, j'ai œuvré dans le monde commun, j'y suis allé, mais je n'en ai retiré poétiquement strictement rien. La muse est une femme jalouse, et comment dire, il faut tout lui consacrer. Sans quoi vous rentrez bredouille et votre jour passé dans les conventions, étant entendu qu'il ne s'agit pas de rimer péniblement, mais de capter la zone exquise de la poésie. Eh bien, cette zone réclame un investissement total. Du moins, c'est ce que je crois. Comment peut-on reconnaître un poète ou une œuvre poétique ? Un livre poétique, comme un poète d'ailleurs, faut que ça pue l'oiseau. Lorsque je compose, faut que je sois remonté jusqu'à l'état d'âme ouvert, infailliblement centré sur la conscience d'être jeté en plein monde, conscience bouleversante, à laquelle je donne des mots pour l'humaniser. Et je crois souvent voir un oiseau se poser sur le rebord de la fenêtre, venu là pour se déplumer et m'offrir, par le sacrifice de ses meilleures plumes, un moyen d'écrire. Je veux dire par là que le poète doit être relié. Et on ressent, lorsqu'on prend un livre poétique, on ressent une luminosité particulière. On est mis en contact avec la profondeur. D'autres questions ? D'autres idées ? Oui. Votre pensée se communique au moyen de tous les genres possibles et imaginables. Cela va du sonnet classique au code juridique, digne des pataphysiciens. Mais où va votre préférence, votre spontanéité dans l'écriture ? Pour vous dire vrai, ce n'est pas tellement la feuille qui m'attire. Je crois que communiquer directement dans les cerveaux, c'est ce qui est le plus efficace. Et j'ai tenté, quelquefois, d'écrire directement une fable dans le réel. Je ne vous suis pas. Vous avez un exemple ? Oui. Je pourrais vous raconter une fable que j'ai écrite dans le réel. Oui. Très bien, racontez-moi. C'est un petit peu long. J'ai tout mon temps. Vous voulez vraiment ? C'était il y a 2 ans.
Je vivais avec une comédienne dans une vieille maison et il y avait un coq dans la rue qui nous réveillait tous les matins. Ce qu'il y a de bon dans la clope, c'est le feu. Alors t'inquiète, je sélectionne. Du voisin. Chante un peu faux. Je vais le choper. Je vais le réaccorder. Me faire un cordeur d'anime. C'est peut-être l'origine du mauvais goût. Ce déraillement sonore. C'est drôle. Je commence par le coq, après je fais toute espèce. Mmh. Mmh. À tout à l'heure. D'Ardronville. Écoutez, j'aimerais bien des explications là. C'est quoi ça, de l'accordeur d'animaux? C'est vous, c'est quoi, c'est quoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît. C'est un fou. Accordeur d'animaux. Oh là 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 là. Donnez-moi le coq! J'étais en train de manger l'aube, de me repaître d'entrain neuf et tout juste renaissant des ombres alors que j'escomptais goûter à la vigueur du grand lumineux et propulser mon âme dans la zone heureuse des retrouvailles éternelles. Voilà que votre coq, d'habitude si porteur de joie, au moyen de son petit opéra, drôle et puissant, issu des trois gosiers à plumes, voilà que votre coq, disais-je, s'est mis à chanter faux. À produire son refrain, chaque fois de manière plus cacophonique. Et voyez-vous, faudrait voir à pas me gâcher l'aube, quand elle pointe sa petite gueule,
C'est si bon d'entrer dans la nuance. Votre coq a commis des troubles sonores catastrophiques. Le coq, c'est le diapason du matin sur lequel tous les animaux règlent leur chant. Imaginez l'état du monde à la fin du jour. L'harmonie se mourrait si je n'opérais 3 jours de cure, gratuite. À bientôt, cher monsieur. Et verbal afin de remédier à son mal. Il est très gentil. Il est beau. Chante faux, mais il a de la gueule. C'est le coq du. Coq du domestique, là. Tu sais que le facteur et la serveuse, ils vivent avec le coq. Hein. Reste sur la feuille, je t'en prie. Enfin. Il est bien mignon, ce coq, mais. T'en fais un poème, une petite nouvelle, mais. Tu vas pas nous faire des ennuis avec les voisins, quand même, non? Mais il n'y a pas d'ennui, j'ai tout expliqué au facteur. Il est content comme tout, là. Ouais. Moi, je suis pas contente, hein. Allez, va le rendre. Non, 3 jours, on le garde. 3 jours? Mais t'es un fou, 3 jours. 3 jours avec un coq à la maison. T'as pas du pain, là? Du pain? Oui. Est-ce qu'il mange du pain, maintenant? Ben, ça mange du pain, du grain, des petits trucs, des fruits, je sais pas quoi. Mais où est-ce qu'il va dormir? J'ai acheté du blé. Ben là? Là, sous la cheminée? Oui. Non, mais tu exagères. Sincèrement, tu exagères. Je rêve. Tiens, va te faire la gueule, là. Que vous allez faire connaissance, tu vas lui lire un peu de Molière, ça va lui faire du bien. Ah oui, c'est sûr. Mais non, arrête. Si. Fais-lui l'exagère. Molière, voilà. Non mais tu exagères. Je suis encore là et je t'écoute. Allez, je vais chercher du grain. Coco s'est envolé! Incroyable, incroyable! T'as rien vu en arrivant? C'est un drôle de monde! Jamais il serait parti sans sa mémère! On n'a plus notre oiseau! Il sait tout ce que ça te fait! Mais t'inquiète donc pas, je sais où les nœuds de volatile. Oh, il Seigneur. Va bien! Enfin, pas trop mal! Il est où? Depuis quelque temps, j'ai remarqué que nos coqs chantent un peu faux. Ah, ouais. Cocorico, d'accord, mais un peu de travers.
Et c'est plus comme avant, c'était formidable. Alors j'ai trouvé un homme qui va nous le remettre en état. C'est un accordeur d'animaux. Mais t'es pas bien, toi. Et dans 3 jours, notre coco, il sera parfait. Car c'est très grave. Tous les animaux du coin s'accordent dessus. Et s'il chante faux, bah t'imagines. Mais tu te fous de moi, mais alors là, c'est quelque chose, hein. C'est le diapason du matin qui cogne sa note à l'oreille. Il veut me ramener mon coco. Il va me ramener mon coco. Elle est un peu forte de café, là, l'histoire. Le type, il travaille la justesse avec un piano et tout. Et il est bizarre, mais je l'aime bien. Il a du bon goût, il cause riche. Bon, il est où? Je vais y aller parce qu'il va pas rigoler longtemps comme ça. Elle va rester là, puis c'est tout, hein. C'est qui, l'homme? Puis même si c'est des conneries, tout ça, c'est quand même assez beau. Accordeur d'animaux. Oui, mais bon, le dessin n'est pas encore acquis. Ça va revenir. Ne t'inquiète pas. On va passer 3 jours ensemble. Voilà, ça va. Puis je vais demander à ton maître ensuite de t'organiser un petit concert pour que tu te vides de la souillure qui t'accable. C'est moi-même. J'ai longtemps vécu. J'ai manqué le coche du subtil. Hein. J'étais. Non, je pensais de travers. Hein. Enfin, j'étais dans la routine commune, quoi. Dans les habitudes, dans le refrain minable. C'était ridicule. Puis un jour, à l'Opéra Garnier, j'ai entendu une œuvre, La Flûte Enchantée, Mozart. Terrible. Ah, j'ai rencontré l'enthousiasme le plus bouleversant de mon existence. Ah, je me suis vidé, mais totalement, de ma crasse pensive. Ah ouais. Il veut jouer. Il va jouer. Je joue au plus finot, tu vas voir. Allô, bonjour madame. Oui, j'aimerais me faire livrer des poules, des rousses et des noires, et qui caquettent beaucoup. Oui. Et aussi 3 petits cochons et des canards. Oui. Une livraison pour demain matin, c'est possible? Très bien. Alors, c'est rue des Coutures, au 18, numéro 18, au bout de la rue. Une grande maison. Voilà, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Thank you.
Il est parfait. Non, non. Bah oui, qu'est-ce qu'il a qui va pas? C'est clair, t'es sourde ou quoi? T'entends pas qu'il est... Voilà. Écoute, c'est comme... Il te chante dans l'oreille, tu peux pas me dire que... Que quoi? Bah, il soutient pas la note, t'entends pas? Non. C'est beau facteur, il raconte à tout le monde que je sens coq, que je sente faux, c'est pas possible. Mais tu veux pas... Mais il joue le facteur. À quoi? Il joue la fable. Il joue la fable, si. Il la joue vraiment magnifiquement. Pauvre homme, il est vraiment tombé dans ton chaustrap, là. Mais pas du tout, il s'amuse, voilà. Moi, je m'amuse pas, hein. Et tout le monde... Voilà, là, excuse-moi, alors là... Magnifique. Magnifique. Non, non, là, complètement foiré, là, excuse-moi. Écoute, mais t'en es où avec la vraie vie? Avec ton opéra et tes chansons? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Tout le monde s'amuse, c'est d'une cocasserie totale, c'est une forme d'écriture poétique nouvelle, dans le réel, dans le concret. Tout le monde, le facteur, tout le monde le questionne, tout le monde l'interroge. Cette affaire, non mais excuse-moi, mais mon opéra, d'accord, mais je n'ai aucun succès avec mes vers. Hein, faut que, ça intéresse qui, mes vers? Dans le siècle. Oui, toi et quelques autres, d'accord, merci. Mais je peux m'amuser de temps en temps un petit peu quand même. Écoute, il faut que tu décides et s'il te plaît, va mettre toutes ces bestioles dehors parce que j'en peux plus, c'est devenu ménagerie. Alors. Oui, d'accord. Bon, dépêche-toi et décide-toi. Mais soit là, avec cette histoire d'accordeur d'animaux, j'ai un succès, mais décapant. Fou, oui, un succès. Oui, non, excuse-moi. Là, c'est radical. Allez. Tellement gentil, c'est coq. Il allait très très bien la semaine dernière. Il était en excellent état. Chant de travers, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est un constat qu'on a fait avec le poète. Bon, et alors qu'est-ce que tu préconises? Il faut qu'il accorde. Il dit l'accordeur d'un mot. Non, mais on accorde des pianos, Serge, mais des coques. Faut le remettre au diapason, c'est tout. Quel tissu de conneries, alors. Pas, je t'écoute. Non, mais j'en ai déjà entendu pendant des années. Par moments, tu t'es pas piqué des hannetons, hein. 25 ans de conneries, alors là, tu remportes le. C'est terrible, quoi. Accordeur d'animaux, je suis content. Accordeur d'animaux, où c'est que tu as trouvé un accordeur d'animaux? Ça n'existe, on n'a jamais entendu parler d'un truc pareil. Accorder des pianos, moi je veux bien, mais accorder des coqs, pourquoi pas accorder des cochons ou des poulets pendant que tu y es? Je t'écoute plus, mon vieux. Moi j'ai la foi. La foi, je sais ce que j'ai à faire. Donc, quoi que tu dises, tu n'es d'aucune utilité, je veux dire, tu comprends rien. Tu es trop buté sur... Les œillères, t'es quoi? Un cheval, voilà, il court. Pourquoi? Et ça y est. Non. T'aurais pu amener du sucre quand même. Bah, va chercher du sucre. Des cuillères et rien. Donc. Va chercher du sucre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme chant de travers, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Essaye de comprendre ces choses quand même qui sont très embêtantes pour moi. Coq, ça fait longtemps que je l'ai. Il faut bien trouver une solution. Il y a une solution, t'en as pas, comme d'habitude. Je te connais depuis longtemps pourtant. Tu es dans la science comme ça, matérialiste. Ben, l'accordeur d'animaux. Bon, qu'on accorde confiance. Des pianos, je comprends, hein, tout le monde sait ça, mais accorder des coques. T'as vu jouer ça où, toi? J'ai cherché. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai essayé d'autres techniques, des techniques qui sont dignes de des techniques et sciences, je crois, rien à foutre. Ben, ça marche pas. Le poète, il va résoudre ça. Il m'a garanti que ça allait marcher. Eh oui. Comme ça, il fait. Tu te rends compte de ça? T'as entendu? Tu pourrais, toi, avoir un coq qui chante comme ça? Le matin? Viens habiter chez nous. Tu l'entendras. Monsieur ?
Monsieur ! Bonsoir. Bonsoir. J'arrive. Ah. Voici votre coquelicot. Mon coco, oui. Animal exceptionnel. J'ai passé 3 jours. Très probant. Oui. Nous avons beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé. C'est un animal d'une grande fierté, d'une grande vigueur. Et je pense qu'il est remis en état. Voici. Merci. Je vous en prie. Merci encore. Je suis vraiment content de le revoir. Quel plaisir. Dites-moi... Il se porte bien. Après ces 3 jours, les recommandations pour plus tard, pour demain, après-demain, alors, etc. Je souhaiterais vous faire présent d'un diapason. Voilà. Ah, avec plaisir, oui. Chaque soir, une petite résonance, non loin de l'oreille, juste avant le sommeil, pour préparer le chant du matin, ça me paraît tout à fait intéressant. Merci. Oui, je pense que ce sera très efficace. Merci. Je l'ai pratiqué moi-même. Voilà. Il chante vraiment abondamment et c'est très, très émouvant de le voir s'élever ça, et produire son effort sonore dans l'air. Vous avez là un animal de grande qualité. Je sais bien. Bonne soirée, cher monsieur. Oui. N'hésitez pas à passer me voir. Bien sûr. Merci. À bientôt. T'es pas d'accord. Hein, t'as raison. T'es pas vrai. Entrez. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Pas trop mal. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et Coquelicot? Ça va mieux, mais quand même, ma femme et moi, on était vraiment un peu chamboulés avec cette histoire, franchement. Je suis désolé. C'est tout un mystère qu'on ne comprend pas trop. Vous êtes bien facteur. Oui. Je suis poète. J'œuvre et je veille. Oui. À l'ordre harmonique. Oui, mais bon. Et lorsque vient l'aube, j'ai besoin de renaître au monde, dans toutes les nuances du petit or du matin, sans dissonance aucune. Et d'habitude, votre coque était un encouragement pensif, une joie. Alors de votre tournée, ne pourriez-vous pas propager un petit peu mon talent d'accordeur d'animaux? Je connais... Vous avez bien des chats, des chiens lors de votre tournée? Oui, à droite, à gauche, je connais des gens qui ont des bestioles. Hein. Vous savez, on n'est pas à Paris. Si vous pouvez leur demander de réaccorder régulièrement leur animal. Car, je vous signale, c'est votre coq qui est responsable d'un dérèglement généralisé. Non. Et si, donc, vous me devez en quelque manière ce service. Donc, propager ma fonction dans les environs, afin qu'on rétablisse l'ordre harmonique. Posez la question de savoir si le chien chante juste ou faux. Bon, je veux. Par exemple. Vous avez besoin d'aide, je pense. Bon, je veux bien le faire pour vous. C'est gentil. Alors après, il y a un problème de peut-être d'entretien, je ne sais pas si... Oui, alors, il peut... je vous ai déjà évoqué plusieurs points. Je suis un peu venu pour ça, si vous voulez. D'accord. Alors, merci. Il faut faire écouter... On tient au coq. Hein, oui, il faut faire écouter de la musique classique. Vous avez un... Oui, oui.
tourne disque ou un CD ou que sais-je, peu importe. Il faut faire écouter de la musique classique. D'accord, merci. Hein, oui. Un peu entraînante, un peu joyeuse. Et si, il faut qu'il se purge régulièrement, c'est-à-dire qu'il va se libérer de ces miasmes. Vous voyez. Et si d'aventure la musique artificielle, hein, par un appareil hi-fi ou que sais-je encore, ne suffit pas, il faut alors de la musique live, du bio, des ondes sonores bio, voyez, du vivant, du vif. Et alors, vous trouvez dans votre entourage un petit musicien ou un petit orchestre, que sais-je encore, et c'est très important. La musique, oui. Oui, oui, parce que sans quoi, il va retomber dans des écarts, des dissonances qui vont porter préjudice. Oui. Car, je vous l'ai déjà dit, tous les animaux se règlent sur lui. Vous comprenez? Les oiseaux que vous entendez dans les parcs, au matin, sur quoi se règlent-ils? Quel est leur repère? Oui. Comment vous comprenez? Oui. Donc, il faut être vigilant. Mais vous vivez comment? Vous faites quoi exactement? Vous faites des vers? Oui, j'écris. Vous écrivez? J'écris des vers. Je n'ai plus de protecteur, je n'ai plus de mécène. J'en ai eu, et de fameux. Des hommes ont cru dans mon œuvre, dans mon talent. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. J'ai travaillé pour un mourant qui cherchait une phrase à dire juste avant le trépas. Il voulait finir en beauté. Vous savez, façon Rabelais. Rabelais, dit-on, a dit « Je m'en vais rejoindre le grand peut-être ». C'est fameux. Ah bon ? Et bien, ce mourant cherchait lui aussi à dire une phrase magnifique avant de... Et il a fini par mourir, malheureusement pour mes finances. Neuf échalotes émincées, quatre gousses d'ail hachées, un bouquet garni, 250 grammes de champignons et un coq d'appartement vidé et coupé en morceaux. 40 centilitres de crème fraîche, une bouteille de vin blanc, sel et poivre du moulin. Alors comme ça, Serge, il vous dit que votre chat miaule faux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dormir debout? Pour moi, il miaule faux depuis un certain temps. Mais non. Ça fait 11 ans que je le connais et je ne suis pas sourd d'oreille. Je sens bien, j'entends bien qu'il y a des moments où il miaule pas normalement. J'ai appris par hasard qu'il avait un coq qui chantait faux et ça doit le perturber. Et en plus de ça, j'ai vu des voisins en parler qu'avec des chiens, que ça les perturbait un peu dans leur aboiement. Faut pas écouter ce qu'il vous dit, c'est n'importe quoi. Mais quel abruti, enfin il est vraiment con.
Je te fais bosser. Je suis encore début, hein. 20 dates, par contre. Septembre ? Mm-hmm. Henriette ? Oui. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté. Débassez à qui vous devez la clarté et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde quelque petit savant qui veut venir au monde. C'est bien tapé, Molière. Et ne supprimez point quelque petit savant qui veut venir au monde. Ben, j'espère qu'Henriette va t'enseigner. Hein. Parce que toi, tu m'exécutes. Hein. Qu'est-ce toi, que tu veux dire? Tu me génocides. Hein. Tu me dis, attends, chaque fois que je te baisse, c'est peinture fraîche. Ah oui, ça fait 5 ans, ça commence à faire des litres. Un jour, j'ai la couille qui va s'inquiéter. Hein. T'es bien drôle, hein. C'est quoi cette nouveauté? Non, je te cause droit, là, tu vois. Ah oui? J'ai envie de te faire pas un enfant. Droit, là. Oui, j'ai envie de te faire un enfant. Là, comme ça? Oui. Tout de suite, aujourd'hui? Oui. On va partir dans 20 mois. Tes putains de pilules diaboliques, là. T'as le système châtré, là. C'est terrifiant. Oui. C'est parce que j'ai pas de thunes, c'est ça? Bien sûr, évidemment. Tu rigoles, quand même. On le met où, un enfant? Et là, là, ou là. Et dans un mois, on le met où? Et ailleurs. Ailleurs, et on sait pas où, on s'en fout, c'est pas grave. Si tu crois que ça m'amuse de vivre dans la misère, si tu crois que j'ai plaisir à rien t'offrir, à vivre comme ça, comme une espèce de gueux contemporain, c'est terrifiant. Mais tu vois, je peux pas m'échapper. La moindre idée, si tu te balances pas, si tu ne décrantes pas de toutes ces petites considérations merdeuses, t'as rien, poétiquement t'as rien. Faut être t'es à fond ou t'es rien. Voilà, t'as rien. Tu récoltes pas. Et moi, je peux pas m'échapper. Je mets ma cervelle en scène. Tu vois, je me prends pour un grand poète. Peut-être que ma putréfaction, finalement, sera ma plus belle œuvre. J'en sais rien. Mais j'ai envie de tenter le coup. De vivre à fond d'organes. Tu vas être chopé l'aube, la lumière, et te chanter. Au max. Tu vois ces putains de bagnoles qui nous polluent l'oreille et le nez? T'as vu leur gueule? T'as vu leur nez? Pénétrant dans l'air. Pourquoi? Les lois de l'aérodynamique. Et à la fin, c'est toujours des considérations mercantiles. Ça consomme moins. Rentabilité. Et quand tu vois un ballet de bagnole ancienne, tous les gens s'extasient. Oh là là, quel théâtre, quelle beauté. Oh, la nuance. Oh, oh, oh. On s'émerveille devant leur dessin. Tu vois, ben moi, je suis une vieille bagnole, toi. C'est pas adapté du tout à l'époque. Mais il y a du charme. Et je peux pas échapper à ça. Je suis drogué. Je suis très heureux. Je comprends tes inquiétudes. Mais moi, j'ai des compensations. Je suis grisé, je reconnais. Je suis piqué, si tu veux. Mais de temps en temps, j'ai des idées. Et tu peux pas revenir quand t'as la cervelle qui a trempé dans une espèce de clarté étrange. Tu peux pas revenir. Parce que tu t'emmerdes. Tu crèves. Tu vois. Et les poètes, ce qui est marrant, c'est qu'on les aime quand ils sont morts. On leur fait des monuments. Mais de leur vivant, c'est très étrange. Alors, d'accord, c'est très d'une prétention extraordinaire. Hein. Okay. Mais bon. Je t'attends à l'hémistiche. Si tu me prends pour un branque, on n'a qu'à causer dans le fond de la nuit, tu vas voir. Je comprends que t'aies pas envie de t'embarquer, non. Concrètement, tu vois, balancer un petit mioche dans cette aventure, c'est risqué. Puis t'as l'instinct femelle qui te cause en toi, ça je respecte.
Salut, coq. Chérie, arrête de faire la vaisselle, écoute-moi. Le voisin, oui. J'en peux plus. Avec ses recettes à la petit jeune. J'en peux plus, ouais, j'en peux plus. Je sais, mais bon. Écoute, je vais le tuer, je crois. J'en peux plus. Oh, mais dis pas je ça. Je craque à chaque fois. Je craque. Mais oui, il est odieux, mais il est jeune. Qu'est-ce que tu veux, il... C'est vrai qu'il va lui faire tout le livre de recettes. Hein. Bah, écoute-moi, le matin, il descend, il fait une recette. Bon, alors, le midi... Je le vois dans l'escalier, je dis bonjour, il me répond pas, il fait une recette. Soir pareil. Mais je sais, je sais, c'est... il est omnibilé, il est paumé, il est jeune, il est méchant. Il est méchant, il est méchant, il ne peut rien y faire. Hein. Il est méchant. Moi, j'arrête avec lui. Je sais pas, il est au-dessus, là, j'en peux plus, je peux plus. À chaque fois, il y a une recette. Alors, si c'est pas le coq à la bière, c'est le coq à la crème. Ah, je sais. Mais il va nous la faire comment? Le coq à quoi? Il va pas y toucher, à Coquelicot, il va pas y toucher, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'essaie. Il menace, voilà. Il menace. Petit jeune. Ah, pas peur. Ah. J'en ai marre. Ok, j'en ai marre. T'énerve pas, comme ça te fait pas du bien, c'est pas bon. Ah, il me le fait pas demain, hein. Là, il me l'a fait encore, là, tout à l'heure, je suis descendu, bah je ouais, croisé, bah on subit, une recette. Et c'est tout, il égrène tous les trucs, l'ail, l'oignon, chalotte, pourquoi pas de la truffe, ou je sais pas quoi. Bon, on a droit à tout, je te dis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ah ouais, mais bon, c'est une litanie, quoi, c'est... Il est fou. Oh, il est dingue. Maintenant, il est purgé. Ouais. À demain matin, le chant du coq, ça va être magnifique. Non, depuis qu'il a rencontré son illuminé, on le tient plus. Ouais, je sais pas, il est bizarre. Il cause plus pareil, il bouge plus pareil. Ah bah oui ça, bah penses-tu? Bah oui, je suis inquiète. Bah, je sais pas. Je crois que je vais le passer à 2 fois par semaine. Il est tout frétillant, ça va le calmer. Hein? Bah oui. Bah tu vois. Bah oui. Oh, t'as bien raison. Bah je sais, mais. Bah ça. Je suis bien. Il y a du charme. Y a, ça me transporte, celui-toi.
Je peux vivre dans cet escalier, moi, toute ma vie, il n'y a aucun problème. Je suis... Ah, ça me convient, ça me connecte, ça me... Ça te plaît, quoi? Ouais, c'est plus que... Non, je serais pas là, hein. C'est vraiment... pour moi, c'est un palais, tu vois. Je peux branler, tu vois, il y a de la place. Mmh. Oui, oui, mais t'étais bien, mais il y en a un qui est mal. Quoi? J'ai eu dans le journal hier, un peintre, il s'est fait cambrioler, mais toute sa baraque, sauf ses toiles. Non, mais du, là, du coin? Oui, tu dois le connaître. Là-haut? Oui, là-haut. Dans les hauts quartiers, là? Non, mais c'est pas des coups qu'il fait, le mec. Non. Il y a de la nuance, non, mais je connais. Il est connu, Non, mais j'ai causé deux, trois fois, là, puis. C'est un peinturigraphique. Oui, 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 mais c'est incroyable. Ils ont... Mais, hein, ils savent même pas... Non, mais attends, ils savent même pas la cote des toiles, ils volent. Alors, ils ont pris tous les meubles, sauf les toiles. Scandale, ça. C'est incroyable. Un mec à l'affront pour lui, il doit être dans un état. Non mais attends, il n'y a pas que la pègre, hein, qui délire. Hein. Ah bon? Ah ben non, il y a les élites, tu crois quoi? Quoi? Ben attends, t'es pas au courant? Tous les projets étatiques là, ils veulent envahir la Lune. Écoute, non mais tu penses que voilà, bon, on picole tout ça, tu crois que j'ai le cube, non? Non. Ils foutent des hôtels. Si. Non, t'es sûr que c'est la Lune? Un petit week-end sur la Lune, tu verras, en 2030, bah, tu vas avec ta gueuse, là, tu montes là-haut, te faire un petit safari lunaire. Attends, je te le dis. Arrête. Eh bien, moi, non, mais le symbole est trop fort, tu vois, poétiquement, c'est extrêmement violent d'apprendre ça. Donc, je suis en train d'écrire un code lunaire que je vais envoyer à tous les députés. D'ailleurs, faut que tu m'aides. Oui, je t'aiderai. Les timbres. 500 lettres par semaine, si tu veux. Non, mais pas autant. Coup de tampon. Attends. Ça coûte rien, ça te coûtera rien. Pas autant, mais bon. Je peux. Oui, tu es dans la dèche, moi ça me coûte rien. C'est le ministère qui paye. Non, mais attends. Écoute. Hein, t'as compris? Il y a du mieux. Quand je bois du thé. Alors d'accord. Mais quand je bois du café noir, je pisse jaune. Et quand je bois du lait, je pisse jaune encore. Il y a une insistance sur le jaune. Il y a un truc, faut que je fouille. Ouais, je sais pas trop ce que je vais en faire. Allez, je vais bosser. Entrez. Ah Serge, salut. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça va? Bien. Et toi? Ouais. Si. Qu'est-ce que c'est que ça, des boîtes aux lettres? Mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Et alors? Quel est le projet? Ben, ça sera pour des destinataires étranges. Tu vas voir, hein. Je vais, alors celle-là, je sais pas où je vais la mettre, mais bon, peu importe. J'ai un rayon terrible. La lune, le soleil, les oiseaux, puis je sais pas quoi encore, je sais pas, je vais voir, je dirais. Hein. Et pendant mes tournées, je vais vendre des timbres. Tu vas pour que les gens envoient du courrier. À qui va? Si t'as une lettre, tu me l'amènes. Si quelqu'un écrit à la lune, tu me l'amènes. Il y aura plus qu'une lettre. T'es fou, toi. Eureka! J'y vais! Oh, t'es déchaîné, ça! Thank you.
Tu vois là pour moi ce que... Après Dieu, on va sauver la lune, écrire aux oiseaux, aux étoiles, je sais pas quoi. Moi je sais plus, hein, tu vois là. J'ai dit bah voyons. Hein. Au début, tu vois, j'ai pas prêté attention là maintenant. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Mais ça va s'arranger. Tu crois bien ça va passer. Tu sais, je sais pas. Oui. Passer. Ah, mec, ça lui a pris comme ça déjà. Puis alors maintenant, je tiens plus, quoi. Il part, il divague, il dit n'importe quoi. Puis il est dans. Tu vois, il y croit, quoi. Il y croit. J'ai écrit aux oiseaux, tu vois, il est dedans. Bon, alors moi, ben, je suis à côté, hein. Ah, puis tu comprends rien. Rien. Ben non. Tu peux croire qu'il est influençable. Hein. Sûrement. Bon, ben, quand même. Ben oui. Mais il va revenir, il va comprendre. Oh, je sais pas. Tu crois pas? Oh, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il est trop loin. Ils seront pas. Non. Tu crois pas? Il est. Non, il se balade, il fait n'importe quoi, je vois passer. Mais des timbres, il écrire au ministre, truc. Mais. Insensé, c'est. C'est dur pour toi. Ouais. M'écoute pas, quoi. Il est parti dans son truc. Ah oui, dans son. Il est dans un monde que je connais pas. J'ai pas le. J'ai pas la clé, quoi. J'ai pas le. Tu vois, je sais pas où il est. Mais il est perdu. Hein. Faudrait qu'à... pas qu'il se perde trop longtemps, tu vois. Bah non, je comprends bien. Ouais, parce que moi. Tu lui as dit? Il parle un peu? Ouais, ouais, j'y parle, mais t'as vu comment il est? Tu vois, il a pas les mêmes yeux. Il est dans un truc. Il s'exalte sur des. Tu vois, il dit dans des discours. On comprend rien, Terrible. Bah, faut bien se nourrir, mon coco. Petite tomate. Ça va être bon, ça. Vas-y, je vais te donner un peu de pain. Coco, c'est pas bon. Si... Moi, j'aime bien, moi, tu sais. Hein. Je mange souvent ça, d'habitude. T'as pas faim? Pas ton jour, aujourd'hui. Hein. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Serge. Coco est mort. Non. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout. Raconte-moi. J'ai fini ma tournée ce matin comme d'habitude. Et avant de voir Coco, je monte tout doucement les escaliers pour pas le réveiller. C'était des fois il dormait. Au moment où je
J'étais devant la télé. Personne sur le coussin. Le coco n'était pas là, il était par terre. Inanimé. Immobile. Figé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis précipité vers lui. Pour savoir si je pouvais faire quelque chose. Je l'ai écouté, j'ai caressé les plumes. Pas de son. Rien ne bougeait. Je me suis encore plus approché, puis... Petit duvet qui bougeait un peu, c'est normal. Il est mort. Il s'est envolé pour de bon, au paradis du coq. J'ai une cérémonie merveilleuse, grandiose. Un enterrement digne de ce nom. Je souhaite que vous m'aidiez. Bien sûr. Merci. D'ailleurs, je vais voir le curé tout de suite. Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Un lièvre? Une antilope? Oh. Le canard? C'est... Un hérisson? Un oiseau? Une canne? Un whisky.
Bonsoir. Bonsoir. Coco est parti en voyage. Ah bon? Où? Dans une île. Avec des hirondelles. Il va revenir. Faut-il que je devienne un cordeur de prêtre? Reprenons. J'ai bien tenté d'accorder quelques humains, mais la fable était finie. Eh ben, quelle histoire. Pauvre coq. Oui. Sa mort nous a fait quitter la fantaisie. Mais j'eusse aimé aller plus loin, dans la recherche de l'origine du mal, créer une espèce de folie collective. Mais bon, ça en est resté là. J'avais pourtant préparé des discours de défense du coq en cas de procès. Vous voyez ? Enfin. Mais en matière d'écriture, à proprement parler, je préfère la versification. Ouais, je suis un compère de la rimaille. La prose me ravit, mais ce n'est pas la même jubilation. Il y a, dans l'écriture versifiée, une stratigraphie. Voilà, j'ai l'impression de bâtir en provenance du ciel, de haut en bas. Écoutez, j'espère que, avec tous ces propos tenus, vous allez pouvoir faire un compte-rendu de mon livre. Et, enfin, faites selon votre pensée, évidemment. J'ai tout ce qu'il me faut pour provoquer cette épidémie poétique que vous attendez. Il me manque juste un petit cliché de vous. Pour la photo, je préfère pas qu'on prenne ici. Je peux vous montrer. On peut sortir, oui. Oui. Thank you.